Salut les barbus, c'est Turial et aujourd'hui on va voir les jolis décors 3D, imprimés 3D que m'a envoyé Sébastien Tay, qui a un petit Thingiverse sur une petite page Thingiverse que je vous mettrai dans les liens de la description de cette vidéo, qui sont vraiment géniaux. Déjà je le remercie de m'avoir envoyé tout ça, c'est vraiment génial, ça va vraiment bien dépoter sur ma table. Et vous allez voir comment je l'ai peint. Parce qu'effectivement, au départ, moi j'avais peur, j'avais une crainte, c'est qu'on voit vraiment trop les stries de l'imprimante. Et c'est pas le cas. Franchement, grâce à lui, ça m'a rassuré. Donc lui, il imprime en 0,6 avec une buse 0,4. C'est ce qu'il m'a dit. Alors du coup, pour l'instant, je suis pas encore à l'aise avec ces termes techniques. Mais vous inquiétez pas, les barbus, je vais m'améliorer parce que bientôt, on devrait avoir une imprimante 3D sur la chaîne. Et on va pouvoir faire des trucs géniaux. Donc là, j'ai commencé par le distributeur de Nuka-Cola, qui est quand même emblématique de l'univers de Fallout, qui est quand même magnifique, une belle pièce. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du rouge dilué, voilà, du blue de red de chez Game Workshop. Et comme vous pouvez le voir, moi là, je suis en 600, c'est pour ça que je vais très très vite, hein, c'est pas ma vitesse habituelle. J'ai étalé, voilà, j'ai vraiment fait étaler. J'ai juste laissé l'espèce de caisse où il y a les bouteilles de Coca, de Nuka-Cola, et voilà. Donc après je passe à la deuxième couche principale, enfin la couche de base, du frigo. Et là le frigo, j'ai pris un truc turquoise que j'ai mélangé avec un peu de blanc pour avoir un truc encore plus clair, parce que ce que je voulais, c'est que on ait une couleur un peu pas ice, parce que c'est pas le cas, mais une espèce de vert bleu un peu sympathique qui permettrait de faire un peu les frigos des années 60. Enfin, c'est comme ça que moi je me les représente. C'est peut-être complètement faux et barbu, mais c'est comme ça que je me les représente. Donc du coup, je suis parti là-dessus. Ça permettra en plus de pouvoir bien charger la mule niveau ancrage. Et c'est vraiment bien. Alors ça se peint pas comme un décor classique quand même, hein. Il faut savoir que on a quand même un travail de gauche à droite au lieu de bas en haut. Voilà. C'est plutôt vers gauche à droite qu'il faut peindre pour bien aller partout. Donc là, il m'avait fait aussi une petite caisse enregistreuse pour mon hall dinner. Et là, je l'ai fait pistache. Voilà. Parce que dans Fallout, c'est souvent une couleur qui revient. Les couleurs un peu pastel, pistache ou bleu très très clair. Et donc j'étais parti sur ça. Alors, ouais, c'est hyper rapide, hein. Il y a très peu de matière. Et comme il y a très peu de matière à attraper, je l'ai mis sur le beau, comment dirais-je, présentoir, enfin poignée de chez notre ami Pascal Flamand de l'atelier de Chrome, qui est vraiment super, qui m'a offert pour le Big Day. Franchement, je le remercie encore. Il a vraiment une pure tête en plus ce truc. Puis c'est sympa parce que du coup, comme c'est en jaune, on voit bien le Big Day. Et après, je vais faire les caisses. Alors, les caisses, je les avais fait vertes sur ma figurine de Cade, du capitaine chevalier Cade. Du coup, bah, j'ai gardé la même couleur et on m'a filé d'autres caisses comme ça. Et c'est pareil, je les ai fait de cette couleur-là. Je sais pas pourquoi, le vert me plaît beaucoup. Ça change. Voilà, moi, j'aime bien. Cette caisse, elle est magnifique. Franchement. Ben, vous voyez, il n'y a pas de strie, on voit pas une seule strie, quoi. Donc l'imprimante 3D pour faire des décors, c'est juste une tuerie, c'est clair. Il faut être clair. En tout cas, comment lui les fait. Alors, vous verrez, il a fait plein de petits dessins sur son Thingiverse, où vous avez vraiment tout ce qu'il a monté. Il a fait un peu de trucs sur Warhammer 40 000. Donc n'hésitez pas à lui laisser un petit tips aussi, même ne serait-ce qu'un euro, ben, ça lui permet, lui, d'être valorisé pour son travail, c'est quand même important. On a tous droit d'être valorisés par le travail. Donc là, on va passer à la deuxième couche. Donc là, je vais remettre du blanc pour que le blanc de la sous-couche soit plus éclatant. Parce que mine de rien, en plus, j'ai un peu débordé, comme vous savez. Moi, je suis pas très soigneux. Donc, j'ai refait bien ma couche de blanc. Puis, il y a le Nuka-Cola à faire aussi. Alors, au départ, le Nuka-Cola a été écrit un peu bizarre. Je fais, oh, ça se verra pas, ce sera pas joli. On va pas voir que c'est écrit Nuka-Cola. Et en fait, quand on fait le truc, ça se voit super bien. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc là, on a quelque chose de propre. C'est super beau. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse, hein, les barbus. Rappelez-vous, ces machines, elles ont 200 ans. Il va falloir forcément qu'on les salisse un petit peu. Et donc comme ça sera la deuxième étape.
Donc voilà, donc tout, le tout, ça a dû me prendre, le tout a dû me prendre une demi-heure. Hein. Franchement, je pense que je suis pas allé beaucoup plus loin. Ça m'a pris une petite demi-heure de tout faire. Donc là, maintenant, je vais mettre du métal, enfin, donc du gris pour moi, parce que moi, je ne mets pas de métallique. Et là, je vais tamponner un peu partout sur la figurine. Voilà, tac, 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 pour avoir ce côté usé, où on voit que la peinture s'est écaillée. Voilà, tac. Et là, c'est déjà rien comme ça, c'est bien. J'aime même pas. J'ai mis un ancrage, mais je le regrette de plus en plus, cet ancrage, au final, parce que il n'avait pas lieu d'être. Voilà, je pense qu'on n'avait pas besoin d'avoir un ancrage sur ces belles figurines. En fait, ça allait de soi. Si vous n'avez pas besoin de faire un ancrage, si c'est assez propre pour vous, ne le faites pas, les barbus, parce que moi, je l'ai fait. Au final, il n'a pas apporté grand-chose, vous allez voir. Donc là, je fais la rouille un peu plus flashy, parce que ça donne trois couleurs. Donc c'est pas mal. Puis ça va, voilà. Déjà, là, comme ça, il a de la gueule, quoi. Voilà. Donc là, voilà, j'ai fait un ancrage. Alors, j'ai fait un ancrage quand même dilué, hein, vous avez vu. J'ai fait un ancrage un peu light, parce que déjà, je me disais, oh, elle est belle quand même comme figue et tout. J'avais pas besoin de le faire. Franchement, plus j'y pense, plus je me dis que il était un peu. Voilà. Bon, ça rend bien. Hein. Ça rend bien, hein, les barbus. Donc là, on va passer à notre frigo, qui est la deuxième grosse pièce de notre cher ami Sébastien, qui m'a envoyé. Qui est super, parce qu'en plus, le fait qu'il ait la porte ouverte, ça permet de faire plein plein de trucs sympas, quoi. Donc là, on va refaire pareil. Donc là, on va tapoter. Et là, je vais lui mettre mes très très chers à ce frigo. c'est plus qu'un amas de tôle sans peinture. Vous allez voir, je vais aller très très loin. Je vais pas, je vais vraiment me lâcher, je veux dire, parce que je suis allé vraiment très très loin. Donc là, vous voyez, hein, je mets du gris partout. Puis après, je vais aller au marron. Et alors, le marron, c'est pareil. Je vais, comment dire, je vais lui mettre tellement cher, le pauvre. Et là, tartiner, tartiner, faites qu'on voit quasiment plus que de la rouille, parce que c'est encore plus marrant. Là, vous voyez déjà, là, ça a de la gueule. Et là, je vais mettre maintenant la rouille rouille, la pure, dure rouille, comme ça, on va avoir vraiment quelque chose de sympa. Et voilà, ça m'a pris, je pense que le tout, c'est maximum 30 minutes, hein, les barbus. C'est assez rapide, ça va vite, ça donne bien. Franchement, top top comme truc. Donc là, par contre, l'ancrage pour lui était important, parce qu'il y a beaucoup de zones en gris. Et si on met pas de rouille au final, enfin, si on met pas d'ancrage au final, c'est trop propre, c'est trop lisse. Donc là, il fallait quand même que je le fasse. Pour le coup, sur le frigo, j'étais un peu obligé. Voilà, hop. Donc là, je fais dernier détail, parce que j'ai oublié complètement de faire le derrière. Ouais, hein, les gars. Et voilà, tadam! Donc il me reste plus que ma petite caisse enregistreuse. Alors là, je fais les boutons en noir pour faire l'espèce de bouton rond, vous savez, des années 60, en bac élite, pour avoir un petit truc sympa. Et après, je ferai le gris qu'il y a sur la caisse. Et puis après, c'est parti. Hein, je vais mettre de la rouille. Hein, si, je vais mettre beaucoup, beaucoup de rouille. Hein. Vous voyez, ça c'est. Hop, voilà. Maintenant, on va mettre le marron. C'est fini. Il va prendre très cher, lui. Je pense que je me suis vraiment très lâché sur la caisse enregistreuse. C'était vraiment. En même temps, c'est des objets en métal, donc forcément, 200 ans plus tard, la rouille, elle est violente, quoi. Donc, voilà. Bon, je me suis bien éclaté à les peindre, en tout cas, je me suis bien éclaté à les faire. C'était vraiment. C'est des belles pièces. Et puis, ça rend tellement bien dans mon hall dinner. Voilà, là, là. Ça va vraiment rajouter beaucoup de cachet. Au départ, je voulais faire un comptoir en scratch build, mais au final, je pense que je vais le faire imprimer, parce que ça jurerait trop avec le reste maintenant. C'est tellement joli que ce serait dommage de gâcher la plénitude, la zénitude, je dirais, et puis l'ambiance que donnent les décors que m'a fait Sébastien, avec un truc en moins bien, enfin pas moins bien mais différent. Vous voyez, donc là je l'ai mis très cher à la caisse enregistreuse. La caisse, ça va encore, ça reste raisonnable. Ça va pas trop trop loin. Après, on passe
aux autres décors. Donc là, vous avez vu, le frigo, il a pris très cher. Hein. Il a pris très très cher, les barbus. Hein. Je pouvais pas le laisser dans l'état. Hein. Parce que bon. Et puis, on arrive au hall dinner. Donc là, le hall dinner, quand même, bon, vous voyez, il y a trois éléments, quatre éléments avec avec la caisse enregistreuse. Mais ça rend super bien. Ça rend. Waouh! Ça fait vraiment super, quoi. J'ai envie d'enlever le digicode qu'il y a que m'avait fourni Multiverse Gaming pour mettre autre chose, en fait. Tellement il jure avec le reste du décor. Mais bon, c'est vraiment de la top qualité, de la top qualité. Donc, c'est super. Encore merci à Sébastien parce qu'ils sont vraiment très très beaux. Hein. Ces décors en imprimante 3D. C'est de l'imprimante 3D sortie d'imprimante 3D. Waouh, quoi. C'est génial. Franchement, on devrait tous avoir une imprimante 3D dans notre garage. Bon, en tout cas, les barbus, voilà qui nous amène à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimée, à la commenter ou à me faire vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les futures vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt les barbus et que le poil soit avec vous.